Et Niam mes chatons, c'est Bakan et Kossan sur YouTube et heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série de vidéos sur Dark Souls 3. La run foi, toujours en bonne voie. On va faire aujourd'hui le lac incandescent. Je vais d'abord aller. Est-ce que. Je peux avoir 3 points. Vigueur, c'est pas nécessairement la peine. Dex non plus. Force, peut-être qu'il faudra un moment que je l'augmente, mais je sais pas. Pour l'instant, on va augmenter la foi. Voilà, un peu d'endu, un peu de foi. Ah oui, tiens. Est-ce qu'il y avait un... Non. Il n'y avait pas de fragments d'Estus dans les catacombes de Cartus. C'est ça, voyons voir. Voilà. Au moins le temps de faire ça, on va baisser un peu les effets sonores. Parce que c'est vraiment, c'est atrocement trop fort. Hein. Ah ouais, quand je les vois, ça va tout de suite mieux. Hein. Bon, il y a une gemme du chaos là-bas. Ah
Là, il y a un tome de Pyro. Donc, ici. Je sais pas si j'ai envie d'aller faire Zolig aujourd'hui. Bon, ils m'ont laissé tranquille. C'est sûr, hein? Ça, genre, je ne pouvais pas y aller parce que ce monstre était là, mais sérieusement. Alors, soit il me tombe dessus et de toute façon, je me fais défoncer, soit je me fais défoncer et je peux pas récupérer le. Enfin, bon, au secours, quoi. Mais qu'est-ce que... Alors là, j'ai réussi à le tuer, je sais pas pourquoi. Oh, mais c'est pas possible ça. Est-ce qu'on peut un jour faire quelque chose sans que la moitié de la planète ne veuille notre mort dans ce jeu? Est-ce que c'était si difficile? Non, j'ai pas l'impression. Ah bon, grand fragment, carrément, comme ça. Bon, pourquoi pas, hein, moi je prends. T'es toujours vivant en plus. Alors moi par contre je suis mort. C'est même dingue ça.
Bon, bah écoutez, hein. C'est le jeu qui a raison. J'adore. Merci. Non, on va pas aller voir The League aujourd'hui, j'ai pas envie. Je me sens un peu faible là. Pourquoi est-ce que le jeu il est cruel comme ça avec moi aujourd'hui? Jamais un... Mais il est venu jusque-là, c'était jamais arrivé. Il a dû se faire tuer par le chevalier, après tout, on s'en fiche. C'est pas moi que ça va faire pleurer, en tout cas. Sont tout de suite beaucoup moins agressifs quand on a une masse en main. Bon, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans le coin, je crois. Par là-bas, dans le fond, il y a une gemme du chaos encore, si ça vous intéresse.
Voilà, et là. Pardon. L'intérêt de désactiver cette baliste, c'est qu'on peut faire ça tranquillement. Ici, normalement, on devrait y avoir Horace. Mais là, on n'a pas continué la quête, donc. Ok, pas de soucis. Comme tu veux, hein. Voilà, pour un éclat de titanite, je pense qu'on peut bien, on peut bien recharger. Non, ça c'est des pilules dont j'ai rien à faire. Voilà, pour un grand éclat de titanite, on peut bien recharger un petit peu la partie. Et je suis en train de réfléchir, est-ce que... Oui, j'irais bien me faire le boss, en fait. Voir si c'est possible. Bon, il est pas non plus... C'est pas non plus un boss très compliqué, mais... Mais bon, je suis niveau 40 et quelques, je crois. Ça mériterait de boire un coup, ça. De toute façon, j'ai pas tout rempli donc. Et juste parce que ça donne une petite récompense de le faire, je vais faire ça avec Cuculus du Grand Marais. Je pourrais même invoquer Zolik, je crois. Aïe! On t'a fini de la faire
tout le temps la même attaque ou comment ça se passe? Pardon? Mais sérieusement là par contre? Il m'a vraiment enlevé tout ça? C'est quand même beaucoup pour une petite flamèche à la con. Bon, non, ça va aller. C'est bon, ça m'intéresse pas. C'est bon, le boss qui a décidé que voilà, il te mettait deux coups de masse et puis c'était bon, ça m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire de plus intéressant. Ah bah oui, maintenant faut aller aux catacombes de Cartus. Bah écoutez, vous savez quoi, on va d'abord aller faire un tour à les cheveux. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, comme j'ai pas d'âme. N'ayant pas d'âme, je ne peux pas renforcer mon arme. Oui, bien sûr. Non, mais évidemment, c'est quelque chose qui est jamais arrivé. Tout ce qui est jamais arrivé dans ce jeu arrive, donc. Tu vas me taper alors que je suis ici, non? En plus, non? Non. Non, mais on finit par se demander, hein. Je sais même plus à quoi servent les pilules médicinales noires.
C'est par là. C'est par ici qu'il faut passer quand vous faites la quête de Hanri, au fait. Vous le trouveriez ici. Bon, et laissez-moi deviner, vu la tournure de la run, on va avoir un Wolnir qui va être chiant, c'est ça? Ben voilà, ça c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Ah mais tout à fait. Le fait que ben voilà, il bouge, vous vous retrouvez dans son nuage et puis ben vous mourrez parce que. Y a pas d'autre explication, c'est un des designs les plus simpliste et décevant que nous est sorti Dark Souls 3. Et je suis désolé, mais Wolnir a toujours été décevant. Parce que quand il veut vous tuer, il a juste à avancer, vous vous retrouvez dans son nuage, vous y restez 5 secondes, vous mourrez, même pas 2 secondes. Et peu importe votre vie, si vous avez 40 de vitalité, bon, ça peut peut-être, mais vous pouvez peut-être réussir éventuellement si vous y prenez suffisamment à temps, mais avec la vitalité que j'ai, très clairement, j'allais pas survivre. Puis il s'amuse à placer ses bras de temps en temps. Enfin, il s'amuse souvent à placer ses bras de manière à ce que quand il fait ça, eh ben ça vous surprenne et vous vous retrouvez dans son nuage de gaz. Vous voyez le bras là? À la limite de son nuage de gaz. Hein. Ah d'accord, il peut vous faire ça aussi, j'avais jamais vu. Genre juste vous faire son nuage de gaz pour vous tuer, point. Vous avez rien fait encore, voilà, il fait son nuage de gaz. C'est encore pire que ce que je croyais en fait, ce boss. Hein. Non, non, ce boss est décevant de A à Z, parce que là, qu'est-ce qu'il y avait comme... genre, vous l'avez jamais vu? Moi, je l'ai jamais vu, ce pattern-là. On l'a jamais vu. Qu'est-ce qui nous prévient, qu'est-ce qui nous prévient que ça va faire ça? Rien. Genre, c'est juste... On essaie de le frapper, qui, d'une manière générale, est mieux quand on est au corps à corps. Voilà, là, il est...
On passe son temps à courir d'avant en arrière pour toucher ces trucs-là. Encore ou... Non, c'est bon. On peut enfin abréger nos souffrances tous les deux ou... Il est même pas dur, y a rien d'intéressant dans ces patterns. Son design est même pas un tant soit peu intéressant. Je veux dire, des grands squelettes avec une couronne, on en a... Enfin, des grands squelettes, on en a vu déjà plein dans Dark Souls. On lui met une couronne et puis c'est tout. Ah bon, ben oui, c'est... Boulnir est décevant, je suis désolé. Ces patterns sont ennuyeux au possible. Si il a envie de vous, s'il a envie de vous garder un quart d'heure, il va vous garder un quart d'heure à ne faire que cracher. Pour une fois que je me le fais en une seule fois, celui-là. Même le croco-chien est plus intéressant que Wolnir, sérieusement. Je déconne pas, même le croco-chien est plus dur. Parce que le croco-chien fait peur, Wolnir, pas du tout. Hein. Wolnir, c'est juste, ben... Il a décidé de vous tuer, ben il vous met dans son nuage. Sinon après il peut rien vous faire. Wolnir en lui-même, c'est décevant. Je veux dire, les adds de Wolnir font plus peur que Wolnir lui-même. Et encore, tout simplement parce qu'ils sont plusieurs. Donc bon. Par contre là. Non mais sérieusement là par contre, faut peut-être arrêter, non ?
Non, non, tu l'utiliseras pas, ta bénédiction divine. Quoi? Il l'a utilisé? Sérieusement, là? De toute façon, maintenant, il a plus rien, donc... Mais sérieusement aussi là, jamais vu ce jeu bugger autant au niveau des... Au niveau des coups critiques. Quoi? Il a réussi à la tuer? Ça annule sa quête ou... Ou je peux la reprendre, je sais plus. Non, je peux le refaire. Bon, bah, on va y aller à la masse et puis on va bourriner, hein. Merci. Tout de même. Alors par contre, le coup des des amulettes qu'il nous a jetées à la tronche, ça c'est la première fois que je le vois faire. Hein. Non mais décidément, il y a plein de trucs que le jeu faisait pas avant qu'il fait maintenant. Ça veut dire quoi? Non, non, si, on va la voir. On va la voir. C'est bon. Je l'ai toujours eu, ça va aller. Mais encore une fois, ah donc je loupe, enfin le jeu me fait louper un coup critique, et en plus c'est moi qui m'en prends plein la tronche derrière. D'accord, bah écoutez, pourquoi pas, hein,
Merci. Tout de même. Thank you for your kind assistance. Blessing of the moon upon your journey. Même pas évident, hein. Il va vraiment falloir que j'investisse un peu dans la vitalité, parce que j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup moins solide que d'habitude. Là, j'ai combien en vita? La vitalité, j'ai 15. C'est vrai que ça commence à devenir un peu léger, mais je crois que normalement, même au veilleur, il aurait fallu que je sois à 20. Veilleur, il m'aurait fallu 20, je pense. Bon, quoi qu'il en soit, nous allons nous laisser ici. Donc, n'hésitez pas à considérer, enfin, n'oubliez pas de considérer le petit abonnement qui fait plaisir, le petit pouce bleu de l'amour. N'hésitez pas à venir me voir en live, vous trouverez le lien de la chaîne dans la description. D'ici la prochaine fois, mes chatons, je vous fais à tous des léchouilles sur le museau. Je vous remercie d'être resté jusque-là et j'espère vous revoir tous très bientôt. Et surtout, en bonne santé. Allez, ciao tout le monde.